même souvenir, mais en même temps, nous étions unis dans un même combat. Oui, la Provence de Mistral, elle ne va pas se perdre dans des villes du bord de mer qui ont des spécificités, qui ont tout notre amour, toute notre considération, mais qui ne valent pas plus que la Provence. Nous allons travailler pour que ce territoire soit le plus beau. Et nous avons des propositions, bien entendu. On n'arrive pas les mains vides, parce que quand on n'a pas de proposition, on n'est pas crédible. Donc nous avons fait faire par l'OPA, l'agence d'urbanisme du pays d'Aix, une proposition absolument magnifique, qui oppose à un centralisme démocratique figé sur Marseille, ville dans laquelle on ne peut pas rentrer aux heures de pointe. Nous avons opposé à ce centralisme qui rappelle les pays de l'Est, des pôles, 8 pôles, qui travailleront ensemble et qui feront de ce territoire le territoire le plus magnifique de France. Je vous le promets. Et je vous aime. Et nous allons même. Et nous allons même aider les Marseillais à se dépasser, parce que je crois qu'ils sont preneurs de nos idées aussi. Je vous ai dit les compétences stratégiques sur lesquelles j'étais déterminée à me battre avec les maires ici présents, mais aussi avec certains qui n'ont pas voulu venir ce soir parce qu'il y a des meetings un peu dans tout le département. Je voudrais vous parler, après vous avoir parlé de la métropole qui est mon dada et sur laquelle je suis déterminée à me battre jusqu'au bout, mais je ne suis pas seule, rassurez-vous, il y a 109 maires et ceux qui ont été réélus, qui ont été battus, mais ont été remplacés par d'autres qui sont d'ores et déjà à nos côtés contre cette métropole qui est une aberration. Je voudrais vous parler aussi du gouvernement. Nous avons un Hollande au Petit-Pied, en Provence.